champion olympique à 7 avec les Fidji. Arrivé il y a une dizaine de jours à Toulon, on l'annonce comme une recrue phénoménale. D'ailleurs, si vous avez regardé les JO, évidemment, vous le savez. Ça peut pas être un mauvais joueur. Hein. Champion olympique avec les Fidji. Attention, il y a un petit peu de... Ça tergiverse un peu. Incompréhension, mais Antoine Dupont remet tout le monde d'accord, tout le monde dans l'axe. Et tiens, le voici, Jutta, ouais, Nicolo. Allez, un peu d'espace. Allez, il va vite, il va très vite. Il va très vite. Nicolo, il est passé le festival. Et il faut du soutien maintenant. Il dégage les bras, il a réussi à servir. Le d'Anglo, mais le ballon va être perdu. Et le contre maintenant mené par Thomas Ramos qui ne récupère plus ce ballon. C'est terrible pour les Toulonnais. Le sprint de Carbonel à la chasse au Ramos, mais il ne va pas le rattraper. Et c'est incroyable, mon dur pour Toulon. C'est Ramos qui marque pour Toulouse. C'est cruel, mais ce stade toulousain est impitoyable. Ah, c'est terrible. C'est terrible pour les Toulonnais, une offensive majeure et un ballon mal négocié. Et puis tout de suite, la qualité, alors qu'on avait vu ce festival. Mais il termine très mal. Hein. Ouais, Nicolo, il termine très mal. Il file, s'excentre un petit peu. Et puis derrière, il y a une incompréhension entre Jules D'Anglo et un de ses coéquipiers. Et les qualités de vitesse, l'opportunisme de Thomas Ramos qui crucifie les Toulousains. Mais on parlait on l'a montré des qualités. Il était temps.